Salut les gens, c'est Geekaz. Comment vous allez? Moi je vais bien en tout cas. On se retrouve l'épisode 6 de King of... Enfin, plutôt Kingdom of Deliverance. Yes! Yes, 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 yes. Et du coup, bah déjà, je vais essayer de manger si j'arrive, hein, bah, parce que là il a faim le mec là. Donc, on va manger un peu de pomme. Oh, c'est pas mal la pomme là. Attendez, manger. Elle est pas pourrie quand même? Non, ça va. Voilà, on est pas mal là. Alors on va voir. Ah, il faut que je boive. Ouais, il faut que je boive. Oula, ok, j'ai le cochon là, je sais pas si vous voyez. Du coup, ouais, c'est par là, on va manger. Parce que c'est samedi aussi, vous voyez. Oula, désolé madame. Désolé madame. Bon, on va demander à la dame. Ah, on a pris midi, d'accord. À propos de l'armée... On a échappé belle ce matin, hein? Si tu connaissais le seigneur Divish, tu ne serais pas inquiet. Ah. Il a peut-être la santé fragile depuis son emprisonnement, mais personne ne peut rivaliser avec lui en termes d'intelligence. Vous êtes sûr? Ce n'est pas pour rien que le roi l'a fait burgrave de Prague il y a quelques années. Oula. Les gens parlent encore de comment il a réglé le différend entre le père Peck et le seigneur Pribic. Ah ouais. Ok, bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Vous aussi, merci madame. Attends. On va aller là. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, on va se mettre là. Est-ce que je peux manger ou pas moi? Non, c'est même pas ça. C'est... Bon. Je sais pas, vous me direz en commentaire, hein, je sais pas c'est quoi ce bordel là. Placé dans là. Mais merde. Faire quoi là? On sent. Le feu. Madame, je vais manger, madame. Au revoir. Ah. J'achète un. Une galette, peut-être. $50. Pas mal. Du miel, du pain. Du pain. Vas-y, on va voir ce que... Oula, qu'est-ce qu'il y a là? Ah! Merde! Ah oui! Ajoute au panier. Ouais, après, il faut vérifier le panier. Voilà. Conclure le marché. Ok. Je devrais manger, là? Hop! On va essayer de manger, les gars. Voilà, attendez, on va faire nourriture, yes. On mange la galette. Ah, vous êtes appétitant, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave, on va y aller. On va aller par là. Hop, bim, bim, boum, boum. Ah, ce monsieur-là, Portez-vous bien. Y a-t-il un commerçant? Y a-t-il quelqu'un qui échange des objets? Tu as faim, c'est ça? Tu devrais aller voir la cuisinière. Ah! Elle a la main sur le cœur, surtout si t'as des sous en poche. Ok. Pour le reste, va voir un certain Votava. Les gens ne l'aiment pas trop car il est aussi grincheux qu'un chat mouillé. Mais il peut tenir un peu de tout. Je l'ai vu près de la grange. Il reconnaîtra facilement. On dirait qu'il n'a jamais pris un repas copieux de sa vie. Oh la vache, ouais, carrément. Portez-vous bien. Bon, il faut que je vais aller voir monsieur là-bas. Ah, il pleut, mon de Dieu, il pleut vraiment. Donc, vos tabacs. Ouais, carrément, le mec il s'assoit par terre comme ça. Non, vos tabacs. Ah là. D'abord, mais... Alors... On va dire, je suis perdu, n'est-ce pas?
On va le parler. Ah, merci à vous aussi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé à Gutenberg ? À Gutenberg ? Eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mm-hmm. Le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divich. Voilà. C'est ce que je me disais aussi. Ils étaient nombreux ? Plutôt. Mm. Mais ce sont des mercenaires de Gutenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Ah ouais. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Mm. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Tu m'étonnes. Cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Gutenberg ? À ton avis ? Il est redouté les seigneurs pour nourrir. Ouais, bah. Bien, parce qu'elle est située à un endroit stratégique et qu'elle a de bonnes fortifications. Mm. C'est une place forte défensive qui peut aussi servir à préparer des assauts et donc à prendre le contrôle de tout le territoire. Pas du tout. Ah. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Gutenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. D'accord, c'est carrément. Oh la vache. Gutenberg est roi. Gutenberg était Gutenberg. Du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Gutenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son... Carrément, corps. Carrément, carrément. Oh. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ok, bah, c'est pas mal. En tout cas, ah, vous avez appris. Job de Maravi, ok. Bon. Attends, c'est lui, machin, truc ? Villageois, c'est pas lui, villageois, villageoise. Ah, peut-être c'est lui ? Oh, Votava, yeah ! Bonne journée à vous. Ah, merci à vous aussi. Ton crâne, il a pas froid ? On peut faire affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Fais voir, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, carte entrée dans son fou. Non. C'est quoi, on va prendre du crochetage ? On va prendre... 4. Voilà, 4, c'est pas mal. Merde, à chaque fois, je sais plus comment je fais. Ok, d'accord. Donc là, on marchait, marchandé. Nanana. Oh. On marchandait. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Pourquoi pas. Ah. Hmm. Du coup, comment ça marche ? Faire une offre. Tant pis pour vous. Oula. Oh. Ah, c'est pas grave. Ah, on s'en fout. On va quitter le village là. Vas-y, laisse-moi passer là. Dieu vous vienne en aide. Là, je veux bien. J'ai besoin de sortir d'ici. Je m'étonne. Et moi, j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Oh l'enfoiré. Pas qu'on est bon pour être déçus tous les deux. Le seigneur Divich a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. À commencer par toi. Ah, bien vu, bien vu. Ok, ok. Je suis prêt à vous payer. Écoutez. Il faut que je sorte d'ici pour enterrer mes parents. Ah. Si vous m'aidez, je vous le revaudrai. Mmh. 15. Attends, comment on fait ? Attends. Ok, du coup. Payer ou obtenir avec Z, S, puis confirmer avec E. Ah, ok, bah écoute, on va essayer de faire ça. Attends. Ah ouais, d'accord, 17. On va essayer ça. Que dites-vous de cette somme ? J'ai presque failli vous serrer la main. Presque. Oh l'enfoiré. Me le revaloir ? Mmh. Le problème, c'est que tout le monde sera au courant et c'est moi qui trinquerai. Par contre... Si j'avais une raison quelconque de ne pas te reconnaître, là, effectivement, pourquoi pas. D'accord, je vais voir ce que je peux faire.
Ah ouais, carrément. Bonne chance à vous. Faut que je trouve quelque chose là. Oh la vache, hey, hey, hey. Faut vraiment que je trouve un truc à m'habiller. Attends, 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 attends. Mais c'est quoi? Attends, J. Fuite. Ah ah! J'ai trouvé! Facultatif, obtenir une armure de Thalberg dans le corps de garde au-dessus de la porte. What? Hein? Vous êtes dans un lieu privé. Oh, faut que je ferme ça. Ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte. Je vais pas me baisser. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Y'a rien ici. Je monte. C'est juste elle. Bonjour, y'a personne. Bonjour. Oh, attends, attends. Je peux voler? Ah, nice. Je peux voler, trop bien. Chut, chut. Faut rien dire. Faut rien dire, mon pote. Allez, poteau, il faut rien dire. Y'a personne là? Ouh, y'a un garde, y'a un garde, y'a un garde. Attends, attends, je peux même pas baisser. Putain, merde, fais chier. Croche, c'est difficile, croche, c'est difficile. Ah, bah, bravo. Ok, bravo, yeah. Ah ouais, en plus, je vais me... Oh là là. Ah, crocheté. Ah bah ouais, j'ai pas de crochetage. C'est la meilleure, ça. Très difficile, ouais, ouais. Il y avait un truc ici, là. Non, il n'y a rien. Je vais essayer d'aller... Notre... Bonjour. Eh, hey, à quoi vous jouez, bon sang? Si vous dégagez pas rapidement, vous allez vite le regretter. Ah bah désolé, j'ai pas fait exprès. J'avais trouvé un poulet qui s'est garé. Oh là là, je te jure, je suis tellement nul. Bon allez, je veux acheter des crochetages. Allez, 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 dépêche, dépêche. Je sais même pas, j'ai gaspillé combien. Oh là 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 là. Bon, il faut que je achète des crochetages. Crocheter, crocheter, j'ai 30. Je peux en acheter 2. Oui, 2. Allez, bam. Marchander. Allez, on va marchander. On marchander. Discuter du prix. Bien entendu. Allez. Allez. Allez, dépêche, dépêche. Oh, oh. Est-ce assez? Allez, encore un petit effort et on pourra toper là. Ah, toper là, d'accord. Tu es fort là? Vous acceptez? Allez, encore un petit effort et on pourra toper. Oh, il est sérieux, lui, je suis en train de marchander comme un. un gitano. Ouais, ça pourrait le faire. Ah, nice! C'est pas mal, d'accord, je viens d'apprendre comment on marchand. C'est pas mal, allez, c'est parti, on va se déguiser en. Voilà, en armure. Comme ça. Puis, par contre, si elle garde là, je vais me faire enculer, moi. Il n'est pas là. Très facile, ok. Fermez la porte. Tranquillos. Bim. J'espère savoir comment. Attends. Oh. Du coup. Alors, comment ça marche, ça? Attends, tourne D. Oula. Chut! On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. C'est bon, il faut que je m'habille, il faut que je m'habille. Putain, merde. Comment je m'habille? Oh, 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 comment je m'habille? Merde.
Ouais, ça, ouais, on s'en fout. On s'en fout. Non, je veux pas ça. Non. Ouais. On est pas mal gon. Attends, armure, armure. Okay, j'ai mis ça, ça il faut que. Oula. Non, c'est mieux ça, voilà, ok. Du coup, ça c'est bon. Ça. Ça. Et bottes, bah ouais, j'ai pas des bottes, mais c'est pas grave. Et bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. On va essayer de dégager d'ici. Voilà, hop, bim bim boum boum. J'ai besoin de sortir d'ici. Allez, c'est parti, vas-y, laisse-moi la Vu. place. Qui es-tu? Ok. Je t'ai jamais vu de ma vie. Et ça, c'est bizarre puisque tu portes nos couleurs. Mais merde, je t'ai déjà donné de l'argent. Je Oh suis la prêt à payer vache. cher pour qu'on ne me pose pas de questions stupides. Oh l'enfoiré. Tu me prends pour un parfait idiot. Mon maître serait furieux si je vous laissais sortir. Et quand le capitaine Robard n'est pas joyeux, il veille à ce que personne d'autre ne le soit. Voilà, barbe. Oh là D'un autre là. côté, puisque tu es aussi bien déguisé, ce serait dommage de ne pas en tirer profit. Le vieux va pas apprécier, mais. Je peux toujours jouer les bêtés et m'en sortir avec une simple engueulade, si le jeu en vaut la Allez. chandelle. Allez, vas-y. C'est le jeu. D'accord. Ça ne vaut pas le savon que va me passer. J'ai besoin de sortir d'ici. Qui es-tu? Bim bam boum. Arrêtez vos sottises et laissez-moi sortir. Vous n'êtes pas Allez. ici pour poser des questions. Vous souhaitez que le capitaine apprenne que vous retenez le messager du seigneur Divish? Oh, d'accord. C'est bon. Oh. Bonne chance à vous. Yes. Hé! Ouvrez la porte! Oh, j'ai eu peur là. C'est parti! Youhou! Liberté! Égalité! Yeah! Le troisième, je sais pas. Yeah! Allez, on va voler un cheval. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, ta 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 ta. On va récupérer une épée, arme, bam bam bim boum. Ok. On est pas mal. Je sais pas si. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Aïe, aïe. Le cheval. T'as des chevals là-bas? Allez, tu sais quoi? Vas-y, on va y aller par là. Voilà, comme ça, on passe inaperçu. Trop cool, quoi. Allez, 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 allez. On va aller par là. Bon, il y aura des chevaux. Et quand le village, mais pourtant je suis arrivé de là. Ah, cheval, ah, un cheval là, ok. Non, c'est même pas un cheval, merde. Fuck. Bon, on va fouiller tout cette enfin, tout ce village. Comment je fais pour. Ok, c'est. Ok, V. Non, c'est C. Voilà, C. Ok, N. D'accord, attends. Voilà. Voilà. Pas mal. Je vais devoir des chevaux. Voyons voir, là il y a un mec.
un bonhomme de neige. Jouons. Pas de cheval de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais de chien là? D'abois là? N'aboie pas sur moi. Je l'ai fait. Je suis pas méchant. Je suis gentil. Bon. Alors, où se trouve ce cheval? Vous avez découvert, d'accord. Bon, je crois malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un cheval, mais en tout cas, j'ai trouvé des cochons, voilà, des sangliers. Un qui est sorti, qui est. C'est bizarre dans l'enclos. Ok. En tout cas, je vais me cacher ici, comme ça, je vais reprendre directement tout à l'heure. Alors on va se cacher sous l'arbre, comme ça on n'est pas mouillé. En tout cas, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir encore. Likez cette vidéo, ça me fera aussi plaisir. Et n'oubliez pas surtout les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.